Ça va bien, Guillaume ? Ça va pas mal. Ah ouais ? Ouais. Ah, j'aime bien quand vous êtes sûr de vous, comme ouais. Avant le défi. Ah, t'es... Ah. À fond, au taquet, là. Ah ouais ? Ouais. Tu es où ? Tu es chez toi ? Oui. Tu as une cuisine chez toi ? Oui, comme tout le monde. Voilà, allez, allez, allez. Vas-y, profites-en. profites-en, ça durera peut-être pas. Donc tu vas te rendre dans cette cuisine, s'il te plaît. J'espère que t'as un téléphone sans fil. Ouais, c'est bon, vas-y. Je vais te mettre une musique qui va te mettre dans l'ambiance du petit-déj. Vas-y. Il est sympa celui-là quand même, hein. Ouais. Ah, ça te rappelle les souvenirs, hein. C'était une pub dans les années 80. C'est ça. Alors tu sais ce qui va se passer, Guillaume ? Vas-y. Puisque j'imagine que cette publicité tu la connais. Mmh. Bah, oui. Tu vas me chanter cette jolie musique. Oui. Et qu'est-ce que t'as là ? T'as des biscottes ? Oui. T'as des biscottes ? Bah, tu vas en prendre une. Vas-y. Et tu vas nous chanter l'ami du petit déjeuner. Vas-y. Avec tout en mangeant une biscotte. Et t'es gentil, comme on ne gaspille pas la nourriture, tu vas éviter d'en mettre partout. On va essayer, allez. C'est quand tu veux. Bon, et bien c'est parti. Attention, go. Je viens toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Oh eh mais c'était trop facile. C'était limite trop facile. J'aurais dû te demander de rajouter du beurre dessus. Il n'empêche, le défi est relevé. Félicitations, Guillaume. T'as fait ça toute ta vie. En fait, t'as l'habitude de parler la bouche pleine.